Ichli Warrior, bienvenue dans ce Esbiri Fight Camp saison 3. 12 combattants venus de toute la France, répartis en deux équipes, vont s'affronter avec des épreuves à couper le souffle pendant 7 jours. On se trouve ici au Maroc, Coaching Village d'Essaouira. Alors reste avec moi, c'est parti, c'est maintenant! Avant les fights de demain, cet après-midi c'est off, d'accord? Voilà. Donc je vous ai dit, dans une préparation physique, en fait on monte, on monte. Après on essaie de stabiliser et puis après on redescend. Si on fait trop intense aujourd'hui, vous ne serez pas en forme demain. D'accord? Donc voilà pourquoi hier c'était la journée la plus dure. Et aujourd'hui c'est relax. Alors normalement, si on serait, on préparait un vrai combat, qu'on avait une grosse préparation plus longue, combien de jours on aurait mis de off? Avant un combat 5, 6, 3, 4. Le minimum c'est 3 jours, ça dépend de votre préparation et ça dépend de vous aussi. Il y a des gens qui aiment bien s'entraîner jusqu'au dernier moment, c'est psychologique. Donc nous, on fait une demi-journée. D'accord? Donc voilà, et regardez aujourd'hui le fait qu'on s'est levé plus tard, vous avez déjà une meilleure énergie, et là vous êtes prêt pour ce matin. Donc là maintenant, s'il vous plaît, profitez de ces deux dernières heures d'entraînement. Ok? En place. Arrête! Tenez le bunker. Bunker. Bah, allez, commence à driller ça. Allez, sur la lame de ton, lame du guerrier, du kicker. Mon arme à toi, ton essence et ton kick. Allez. Ah. Je pense à ma maillot. Changez le partenaire. Qui boxe encore crispé? Toi encore un peu? Ouais, ça se voit pas trop. Et il chaîne, il avance, il prend des coups, il donne. On est là, ça, on tente des choses, on prend des risques. Et il y a plus de fluidité. Il y a plus de fluidité dans l'enchaînement, il y a plus de variations. Il y a plus d'automatisme, je bloque, je riposte. Je sais pas si vous avez aperçu ça, à 100 fois. Est-ce qu'en ayant une distance plus éloignée, votre boxe est plus efficace? Pourquoi? Parce qu'on voit ce qui se passe. On est moins dans l'urgence. Nous, on est... Quand je boxe, vous avance sur moi. Si je boxe, je suis prêt. Je suis dans quoi là? Je suis dans la réaction. Réaction, c'est que je prends. Voilà, je subis la boxe. Voilà, je subis la boxe. Là, je suis dans la réaction. Je prends, je donne. J'avance, je gère. Si par contre, c'est moi qui agis. C'est moi qui. Voilà. C'est moi qui fais réagir. Moi, j'agis pour faire réagir. Attaque, point, riposte, point, vie. Dernier exercice du camp, c'est le dernier. Celui-là maintenant, il va falloir encore vous puiser encore sur votre ressource, le peu d'énergie qui vous reste, et surtout faire appel à votre mental, concentration pour finir en beauté, d'accord? Après ça, c'est fini. Comme ça, je vais vous embrouiller, des fois ça va durer 30 secondes. Celui qui rentre, il a pour objectif de mettre la pression à l'autre. Durer, durer, durer. On va faire 3 minutes au milieu, d'accord? 3 minutes où les deux, ils alternent. Voilà, et on fait que tout en boxe pied-point. Box style, K1, kickboxing, ce que vous voulez, mais travaillez. Allez, par 3, on met les gants. Are you ready? Oui. Are you ready? Oui. Retire mon gant tout doucement. Vite. Retire mon deuxième gant. Tout doucement. Vite. Fouad. C'est bon. Vas-y, continue sur le niveau. Ça me rate. C'est une courbature. Non. C'est une courbature. C'est pas si voilà, c'est bien. Retard.
C'est bien. Rentre, j'ai pas tiré en fait. Presse les jambes. Voilà. Ouais. Allez, avantage. Les gars, ça y est, on est sur la fin. Fin de l'entraînement pour annoncer presque la fin du corps. Après, c'est off. Une dernière épreuve, Koh Lanta. Et après ça, direction la playa. Un bon couscous. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Let's go. Regarde ce genre, il est au kick. Ouais, ouais. Ouais. En kick. Ouais. Monte ta garde. Il masse ta garde. Ouais. Saisis au bout d'un moment. Oui. Ouais. Oui. Ah ouais. Repousse-le, Sylvain. Ouais. C'est bien, faut passer. Voilà, vite. Enlevez vos gants. Serrez-moi. Vite. Là. 7, 6, blanc avec blanc. Hichem, impressionnant. Louis, tu sais pas mettre des jambes, tu sais pas dépasser, mais en distance. Lui qui était venu juste aller, je tente l'expérience. Au final, il ressort en guerrier là. Maintenant, la seule chose que vous pouvez vous dire, c'est que vous pouvez être fier de vous. Vous êtes allé jusqu'au bout, la fille. Il reste une petite épreuve, mais Koh Lanta, c'est marrant. Qu'est-ce que vous avez à dire, rapide. Est-ce qu'elle va être mémorable? Et vous serez chez vous demain ou après-demain. Quand c'est votre dit, ah ouais, on a fait. Imaginez-vous quand les gens ils travaillent. Ils ont un boulot et en plus ils s'entraînent deux fois par semaine, deux fois par jour. C'est énorme. Et ils ont un combat, donc motivation extra sec. Combat demain, on peut être sûr à 2000% que la transformation elle est pour. Il n'y en a pas un qui ne va pas transformer les inbox. Et les gens ils vont voir vraiment une grosse amélioration. Les gars, là, c'est une cohésion de groupe. Le but c'est d'alimenter cette amitié entre nous tous. Ah, c'est pas ça, d'oublier ce qu'on a partagé là et l'alimenter, de s'écrire de temps en temps, c'est important. Je peux vous garantir que les gens qui étaient là au Fight Camp, je vous assure que je vous montrer, ils seront encore mieux que nous. Tout le monde peut vous apporter. Tu crois que c'est demain gamin de 10 ans peut vous apporter. Il est impossible pour l'être humain, à part ceux qui arrivent à un certain niveau, de ne pas penser. On a 70 000 pensées par jour. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est énorme. À un moment donné, votre cerveau, il va switcher en fait. Il va partir sur ce que vous n'avez pas fait hier, sur ce que vous allez faire demain, sur ce que vous allez manger. Pas grave, c'est normal. La méditation, c'est juste le fait de se concentrer sur le moment présent. Les mains sur les cuisses. Ok. À partir de maintenant, vous allez vous concentrer uniquement sur le son de ma voix. Fermez les yeux. Et vous détendez, vous relâchez. Vous allez commencer à prendre une grande inspiration. Profondément, calmement. Maintenant, je vais vous demander de vous concentrer, de vous focaliser uniquement sur les sensations de votre ventre. Essayez de visualiser, de ressentir votre ventre qui gonfle et qui se dégonfle. Maintenant, vous revenez à ici et maintenant. Ok, stop! Allez, terminé, rapprochez auprès de moi. L'épreuve de la lecture, où ils ont une semaine pour lire un livre, c'était pour leur donner un petit peu une dimension intellectuelle, faire en sorte qu'ils changent leur état d'esprit, leur mindset, et surtout leur donner goût à la lecture, car à la fin de la semaine, ils vont devoir résumer le livre. Et si ils y répondent pas, on saura qu'ils ont triché. Alors, donc il y en a un qui part là-bas, vous avez là-bas la ligne. Il y a un gant rouge, un gant blanc, un bleu et noir. Arrête, dépêche-toi, il est chez moi, active, dépêche-toi. Je fais du bleu au bleu. Oh, noir. Et je vais au noir. D'accord, après je reviens bleu, noir, bleu, noir. Toi, ouais, fais la chair, tu prends la terre. Moi, je fais le sprint. Hein. Toi, tu fais le sprint. Moi, toi, tu fais le truc qui tourne. Toi, tu vises. Toi, c'est la piscine. Est-ce que tout le monde est prêt? Ah!
Allez, trop. Allez, deux, on arrive. Ça, t'es bien. T'es presque arrivé là, c'est bon. Facile, facile. Bien joué. C'est ça, mon gars. 6, 7, 8, 9, 10. Quinze, 16, décision. Celle-là vaut double, il y a combien au score? 10-6. Donc si vous gagnez, tout va jouer sur ce soir. Et déclaré vainqueur par KO avec une minute de décalage, les blancs. Tout va jouer sur les livres. Vous avez toute l'après-midi pour lire. Pour ceux qui n'ont pas lire, pour bien peaufiner, vous serez noté. Ça y est, ça sent la fin du temps. Ça joue, c'est bon ou pas? T'es perdu, t'es perdu.